Alors c'est bien toi qui vas tous les jours à la grotte de Massabielle? Oui, monsieur. Tu t'appelles? Bernadette. Alors comme ça, Bernadette, tu vois la Sainte Vierge? J'ai pas dit que c'était la Sainte Vierge. Bah, dis plutôt que t'as rien vu. Quelle peste! Au Moyen-Âge, on ne discutait pas, on les brûlait, les filles comme toi. Le problème est simple, Lestrade. Ou bien cette jeune fille joue la comédie à l'instigation de quelqu'un, ou bien elle est réellement atteinte d'hallucinations. Mon cœur est avec elle. C'est précisément parce que j'ai tellement envie qu'elle dise vrai que je préfère la traiter de menteuse. Qu'est-ce que vous racontez, Brouillette? Je vous dis que je vois avec mon œil foutu. Je suis guéri. C'est impossible. Ma fille m'a aspergé le visage avec l'eau de Massabielle. Je peux tout voir, docteur. Vous croyez au miracle, vous, l'homme de science? Et vous, le journaliste, vous y croyez au miracle? Dis-moi, Bernadette, certains disent que tu as des pouvoirs. Tu guéris des malades? J'ai guéri personne. Tu mesures le désordre que tu provoques. Allons-y! Tu n'iras plus jamais à la grotte. J'y retournerai. Comment était-elle vêtue? Une robe blanche, un voile blanc et une rose sur chaque pied. Sœur Marie Bernard, vous êtes affectée nulle part. Mais vous allez prier pour les autres. Je vous préviens, sœur Marie Bernard, que si demain matin vous n'êtes pas morte, je vous enlève votre voile de prophète. Vous n'en finirez donc jamais d'être une fauteuse de trop.